Yo, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo d'une utilité douteuse. Parce qu'aujourd'hui, je te parle de plein de trucs random. Parce que ça me tente, parce que c'est ma chaîne, parce que c'est ça. Annonce numéro 1, ok, parce qu'elle est là juste dans ma face, puis juste regarder là me fait mal au cœur. Êtes-vous prêt à assister à ça? Et oui, vous ne rêvez pas, ce sont des lunettes sans aucune... Voici les bouts manquants. À un moment donné, quand tu portes des lunettes longtemps, ils s'élargissent un peu comme ça. Donc, je suis passée dans une boutique dans le Vieux-Québec pour m'y faire squeak-weak. Eh bien, imagines-tu pas que, à peine sortie de cette boutique, je me retrouve dans un restaurant et qu'est-ce qui arrive? Il y a une branche qui tombe, faute d'avoir pu résister aux pinces de la madame. C'était pas encore la catastrophe parce qu'il s'était brisé comme ça en crochet. Enfin, je pouvais encore les accrocher, mais hier, l'autre morceau a fendu. Fait que là, je peux vraiment juste plus les mettre. J'ai travaillé hier, pas de lunettes. Je voudrais vous remercier aussi de votre patience en général, parce que ma vidéo de vacances en Gaspésie n'est pas encore sortie et ça fait quand même un brin longtemps et j'ai pas reçu de menaces de mort encore. Fait que tout est beau, vous êtes un public très sympathique. Dans le fond, ouais. Pour vrai, là, faire une vidéo de vacances parfaite comme je les aime, ça prend tellement de temps. Là, parce que le montage, c'est ma partie préférée. Puis si j'ai le goût de prendre 10 ans à faire mon montage, je vais prendre 10 ans à faire mon montage. Bon, de toute façon, vous êtes tellement un public merveilleux. Parce que vous êtes habitués à ce que je ne publie pas toutes les semaines. Vous êtes capable de m'attendre quand même un petit bout et c'est très gentil de votre part. Je suis très confiante que ça fait de moi quelqu'un qui disparaît un peu sur le net, mais who cares? Je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour le plaisir. En 6 ans de vidéos sur internet, j'ai jamais demandé à personne de s'abonner. Vous faites ce que vous voulez et vous me donnez ce que j'ai pas demandé et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Soyons quétaines un brin. Et merci à tous ceux qui se rajoutent, d'autant plus que j'essaye plein de choses sur cette chaîne et que j'ai souvent du bon feedback. Merci, c'est fin. D'ailleurs, je commence à aimer ça, les petites vidéos où je fais juste vous parler comme ça puis que j'ai rien préparé. J'ai commencé à appeler ça des news. Fait que je vais appeler ça des news. Ça va être la série des news, ok? J'ai soif, mon breuvage est à l'autre bout. Anecdote inintéressante sur ma vie. Mais bon, hein, c'est ma chaîne, donc souffre d'être ici. Eh bien, sachez que je n'ai bu de ce délicieux nectar que à l'âge de... Attends, je trouverai l'âge là, mais j'étais en secondaire 1 pour la première fois. Et c'était aussi en secondaire 1 que j'ai découvert pour la première fois la poutine. Je mérite une tape là, je mérite une tape. C'est juste quelque chose que j'avais jamais testé. J'habitais en campagne, loin de tout. Quand je voyais un escalier roulant, c'était le Graal de ma journée, c'était le top, c'était l'Everest, c'était un cap, un roche, une péninsule, je m'égare. C'était le moment fort de ma journée, un escalier roulant. Voilà l'anecdote inintéressante. J'aimerais vous montrer quelque chose qui me brise le cœur. Ma plante, ravagée, ravagée. Vous voyez ces ravages? Je suis... Elle mérite son petit moment de silence. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire sentir mieux? C'est quoi, faut leur faire écouter de la musique classique? L'histoire de cette jolie plante, c'est qu'elle était magnifique. Vous voyez ce morceau? C'est un vestige d'un morceau qui allait vraiment jusqu'ici. Ici. Et elle virevoltait de sa splendeur ainsi, de tous les côtés. J'y avais trouvé une place de choix dans ma chambre. Et un jour, j'ai découvert que Lily, la chatte de mon coloc, la bouffait pendant que je dormais. Je me suis déjà réveillée en pleine nuit, puis il y avait un gros bruit de quelqu'un qui mange du céleri. Et puis c'était Lily sur ma commode en train de manger ma plante. Elle s'est retrouvée dans cet état. Parce que je faisais confiance au début, je laissais ma porte ouverte et tout, mais là maintenant, bon. Bon. Et puis Tristan, mon cher coloc, si tu regardes ça, on le sait, t'sais, tout le monde, c'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute. D'ailleurs, ce pot, c'est moi qui l'ai fait. C'est une canne de conserve, je l'ai pas, je l'ai pas faite. Je l'ai peinturée, je l'ai vieillie, je l'ai bossée. Pour y donner un certain style, j'en ai fait 3 comme ça. Attends, je vais aller vous les chercher. Tant qu'à y être. T'es pas mis ici avec moi, là. OK! Vous voyez, c'est une autre. Puis ça, c'est ma petite plante d'aloès qui a aussi subi les ravages de... J'aime ça les plantes, mais là, il va falloir que je les foute en hauteur. En lily. Me regarde pas avec ces beaux petits yeux là. J'avoue, j'ai pas fait beaucoup de vidéos DIY dans ma vie, mais je devrais parce que j'en fais
tout le temps. C'est juste que je me filme pas en faire, mais je vous en montrerai quelques-uns. Ok! Ça, c'est la même canne de conserve que celle-là, puis je l'ai juste enroulée de petites cordes. Bref, là, je mets mes pinceaux pour dessiner. Avec ma baguette magique, j'ai fait ça. Quand j'étais jeune, je me suis fait une baguette magique. Attends une minute. Elle mérite un gros plan. La voici, la voilà. Elle est quand même pas pire, tu sais, je l'ai travaillée, là. Puis depuis ce temps-là, je l'ai gardé, là. C'est dans le temps où je me sentais comme dans Harry Potter. Ok. Donc, c'est un kit de 3 pots, là, comme ça, là. Facile, facile. Peigne des cannes de conserve, des vieilles affaires, recycle, fou de la corde, fou, colle des affaires. It's gonna be fabulous. Et pas cher. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? Je travaille dans un dépanneur, maintenant. D'une certaine sorte de dépanneur dont je tairai le nom, car on m'a demandé de tairer le nom. Et ça m'a inspiré tellement, mais tellement d'idées, là, pour faire une vidéo sur le service à la clientèle, là. Oh, que oui. Oh, oh. J'aimerais saluer tous ceux qui m'ont rencontré dans mon dépanneur. Allô? C'était le fun! Vous gênez pas si vous me croisez aussi dans les rues ou quoi que ce soit? Et Caroline, je me fais dire, je t'ai vu, viens-t'en? Quel est le fuck? Amène-toi? Je mords pas. Si vous saviez à quel point YouTube m'a fait rencontrer des personnes merveilleuses depuis, si tu m'empêches de te rencontrer, je perds quelque chose. Je l'ai perdu. Parce que si les choses que je fais t'intéressent, on a quelque chose en commun, cher. Je te l'apprends. Alors, please, je vais arrêter de mettre mes mains comme toi. T'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça que je te touche comme ça? Sincèrement, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il faut se voir. La plupart des gens que j'ai rencontrés grâce à YouTube, ça clique. Ne nous prive pas de ça. Ne nous prive pas de ça. Donc, ce qui s'en vient bientôt. Ça, c'est mon petit calepin idée vidéo. Vous avez entendu ça? Je me suis fait texter. Mais comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas où il est. Je crois entendre. Par là-bas. Donc ça, c'est mon petit livre idées vidéo et tout. Mon petit jardin secret, même si la plupart de mes idées en fait sont sur mon sel parce que c'est la chose que j'ai sur moi à ce moment-là. Puis je le sors pour vous dire en fait qu'est-ce qui s'en vient là, tu sais, ça va servir un peu à quelque chose cette vidéo. Donc j'ai une page ici avec toutes vos suggestions que vous m'avez écrites ici et là sur Facebook, sur Twitter, non trop pas, j'utilise trop pas Twitter, sur Facebook, sur sur YouTube, désolée pour mon bug de cerveau, j'ai des bugs de cerveau. Et ouais, chaque fois que je la regarde, je suis comme, oh que j'ai hâte de les avoir toutes faites, mon dieu, merci, merci, c'est continuez, donnez-moi en plus, des fois ça va donner super bien pour un lieu quelconque, parce que je veux commencer de plus en plus à essayer de tourner dans les vrais lieux. On est-tu tanné de me voir dans ma chambre? On est tanné de me voir dans ma chambre. On est tanné. On s'entend. J'ai essayé de faire un clin d'œil. Okay. J'ai des bloopers qui s'en viennent en plus. C'est une vidéo d'ailleurs que je voulais faire il y a très très longtemps, la preuve. Voici un petit montage de bloopers. Et là là, j'avais comme 14 ans là-dessus. Avec mes bras. Je sais pas si je fais une vidéo par catégorie, mais c'est parce que chaque bloopers a une catégorie. Par exemple, des fois, c'est des bloopers de moi qui a une toune dans la tête. C'est quand même comique. Voici un extrait. Je te fabriquerai, ma belle, une boîte à masque, une bouteille d'eau de Javel. Comme ça, est-ce qu'on voit le laptop? J'ai des bloopers de moi qui déteste quand on me regarde. Ça m'est arrivé quelques fois là, de tourner puis qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, là, puis bon Dieu, là, je passe mon temps à dire arrête de me regarder. Je suis vraiment juste désagréable, mais vous verrez dans la compilation. Mon autre catégorie de bloopers, par exemple, c'est comme, mettons, les vieux bloopers, là. Il y en a qui datent de 2008. Oh! Parce que moi, dans le fond, dans mon ordinateur, je dois avoir à peu près une vingtaine de dossiers avec des vidéos à l'intérieur. Et c'est tous des projets commencés, parce que moi je fais ça dans la vie. Je commence plein d'affaires, plein en même temps. J'avance petit à petit dans chaque projet, ce qui fait que j'avance très lentement. C'est ça ma technique, moi, super efficace, on va se le dire. Super organisée la fille, on va pas se mentir. Super organisée la fille. Donc, il y a des choses vraiment vieilles que vous avez pas vues encore. Genre vraiment vieilles, faut que je le fasse, là. Bon, qu'avais-je d'autre à vous dire? Premièrement, oh, faut que je vous montre derrière, c'est vraiment cool. Voici le setup pour faire ma dernière vidéo de François Pérusse. Le premier green screen que j'ai essayé de ma vie.
Pas pire, je suis pas mal fière. Nous vous la souhaitons bienvenue dans la compagnie de violation Boeing Industry. Cette maman et ma tante sont bien des volontaires de notre part. Pyrrhus me fait rire. D'ailleurs, avez-vous vu ces nouveaux trucs? Il a fait un spécial de Monsieur Spock, tu sais, Star Trek, là. Il massacre le vélo. Magnétique était en état de marche. Négatif. Le réacteur d'appoint est-il fonctionnel? Négatif. Et le navigateur automatique? Négatif. Et pour tirer les photos, il faut d'abord les... Négatif. Mais ça n'a aucun sens, on va se péter la gueule! Allons, McCoy, cessez donc d'être... Négatif. Regardez, c'est à cause d'elle que ma plante est détruite. Elle... Lily! Montre ta face détonnante. Oh! Oh, un chat, c'est une chose trop mignonne que tu veux pas chicaner, même si elle bouffe toutes tes plantes. Sur ce, j'ai passé un très beau moment avec vous. C'est le moment de retourner tous à nos petites vies respectives. Je te souhaite de trouver la motivation en toi pour faire ce que tu souhaitais faire depuis une couple de jours. Tu sais, cette chose, on a tous quelque chose qu'on doit faire et qu'on procrastine en ce moment même. Tiens, on va finir ça dans mon salon. Les photos de mon road trip en Gaspésie vont sortir avant la vidéo, je suis pas mal sûre de ça, toujours sur ma page de photos. Et j'ai d'ailleurs bien hâte de faire d'autres contrats pour mettre plus de photos sur cette page. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la photo, j'avais beaucoup plus de plugs à Montréal, mais moi je suis venue déménager à Québec sur une bulle. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sens que j'ai autre chose à vivre ici. Et vivons... Oui. Donc bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, et à la prochaine! Elle est folle.